L'auberge de Guy de Maupassant. Pareil à toutes les hôtelleries de bois plantées dans les Hautes-Alpes, au pied des glaciers, dans ces couloirs rocheux et nus qui coupent les sommets blancs des montagnes, l'auberge de Schwarenbach sert de refuge aux voyageurs qui suivent le passage de la Guémie. Pendant 6 mois, elle reste ouverte, habitée par la famille de Jean Hauser. Puis, dès que les neiges s'amoncellent, emplissant le vallon et rendant impraticable la descente sur l'Oëche, les femmes, le père et les 3 fils s'en vont et laissent pour garder la maison le vieux guide Gaspard Harry avec le jeune guide Ulrich Kunzi et Sam, le gros chien de montagne. Les 2 hommes et la bête demeurent jusqu'au printemps dans cette prison de neige, n'ayant devant les yeux que la pente immense et blanche du Balmhorn, entourée de sommets pâles et luisants, enfermés, bloqués, ensevelis sous la neige qui monte autour d'eux, enveloppe, étreint, écrase la petite maison, s'amoncelle sur le toit, atteint les fenêtres et mure la porte. C'était le jour où la famille Hauser allait retourner à l'Ouèche, l'hiver approchant et la descente devenant périlleuse. 3 mulets partirent en avant, chargés de hardes et de bagages et conduits par les 3 fils. Puis la mère, Jeanne Hauser, et sa fille Louise montèrent sur un 4e mulet et se mirent en route à leur tour. Le père les suivait, accompagné des 2 gardiens qui devaient escorter la famille jusqu'au sommet de la descente. Ils contournèrent d'abord le petit lac, gelé maintenant au fond du grand trou de rocher qui s'étend devant l'auberge. Puis ils suivirent le vallon clair comme un drap et dominé de tous côtés par des sommets de neige. Une averse de soleil tombait sur ce désert blanc éclatant et glacé, l'allumait d'une flamme aveuglante et froide. Aucune vie n'apparaissait dans cet océan des monts, aucun mouvement dans cette solitude démesurée, aucun bruit n'en troublait le profond silence. Peu à peu, le jeune guide Ulrich Kunzi, un grand Suisse aux longues jambes, laissa derrière lui le père Hauser et le vieux Gaspard Harry pour rejoindre le mulet qui portait les 2 femmes. La plus jeune le regardait venir, semblait l'appeler d'un œil triste. C'était une petite paysanne blonde, dont les joues laiteuses et les cheveux pâles paraissaient décolorés par les longs séjours au milieu des glaces. Quand il eut rejoint la bête qui la portait, il posa la main sur la croupe et ralentit le pas. La mère Hauser se mit à lui parler, énumérant avec des détails infinis toutes les recommandations de l'hivernage. C'était la première fois qu'il restait là-haut, tandis que le vieux Harry avait déjà passé 14 hivers sous la neige dans l'auberge de Schwarenbach. Ulrich Kunzi écoutait, sans avoir l'air de comprendre, et regardait sans cesse la jeune fille. De temps en temps, il répondait « Oui, Madame Hauser », mais sa pensée semblait loin et sa figure calme demeurait impassible. Ils atteignirent le lac de Daube, dont la longue surface gelée s'étendait, toute plate, au fond du val. À droite, le Daubenhorn montrait ses rochers noirs dressés à pic auprès des énormes moraines du glacier de Lehmern qui dominait le Wildstrubel. Comme ils approchaient du col de la Guémie, où commence la descente sur l'Oëche, ils découvrirent tout à coup l'immense horizon des Alpes du Valais, dont les séparait la profonde et large vallée du Rhône. C'était, au loin, un peuple de sommets blancs, inégaux, écrasés ou pointus et luisants sous le soleil. Le Mischabel, avec ses 2 cornes, le puissant massif du Wisshorn, le lourd Bruneghorn, la haute et redoutable pyramide du Cervin, ce tueur d'hommes, et la dent blanche, cette monstrueuse coquette. Puis, au-dessous d'eux, dans un trou démesuré, au fond d'un abîme effrayant, ils aperçurent l'Oëche, dont les maisons semblaient des grains de sable jetés dans cette crevasse énorme qui finit et que ferme la Guémie, et qui s'ouvre là-bas sur le Rhône.
Le mulet s'arrêta au bord du sentier qui va, serpentant, tournant sans cesse et revenant, fantastique et merveilleux, le long de la montagne droite, jusqu'à ce petit village presque invisible à son pied. Les femmes sautèrent dans la neige. Les deux vieux les avaient rejoints. « Allons, » dit le père Hauser. « Adieu et bon courage. À l'an prochain, les amis. » Le père Harry répéta « À l'an prochain !» Ils s'embrassèrent. Puis Madame Hauser, à son tour, tendit ses joues, et la jeune fille en fit autant. Quand ce fut le tour d'Ulrich Kunzi, il murmura dans l'oreille de Louise « N'oubliez point ceux d'en haut. » Elle répondit « Non !» si bas qu'il devina sans l'entendre. « Allons, adieu !» répéta Jean Hauser, « et bonne santé !» Et, passant devant les femmes, il commença à descendre. Ils disparurent bientôt tous les trois au premier détour du chemin, et les deux hommes s'en retournèrent vers l'auberge de Schwarenbach. Ils allaient lentement, côte à côte, sans parler. C'était fini, il resterait seul, face à face, 4 ou 5 mois. Puis Gaspard Harry se mit à raconter sa vie de l'autre hiver. Il était demeuré avec Michel Canol, trop âgé maintenant pour recommencer, car un accident peut arriver pendant cette longue solitude. Il ne s'était pas ennuyé d'ailleurs. Le tout était d'en prendre son parti dès le premier jour, et on finissait par se créer des distractions, des jeux, beaucoup de passe-temps. Ulrich Kunzi l'écoutait, les yeux baissés, suivant en pensée ceux qui descendaient vers le village par tous les festons de la guémie. Bientôt, ils aperçurent l'auberge, à peine visible, si petite, un point noir au pied de la monstrueuse vague de neige. Quand ils ouvrirent, Sam, le gros chien frisé, se mit à gambader autour d'eux. « Allons, fils !» dit le vieux Gaspard. « Nous n'avons plus de femme maintenant. Il faut préparer le dîner. Tu vas éplucher les pommes de terre. » Et tous deux, s'asseyant sur des escabeaux de bois, commencèrent à tremper la soupe. La matinée du lendemain sembla longue à Ulrich Kunzi. Le vieux Harry fumait et crachait dans l'âtre, tandis que le jeune homme regardait par la fenêtre l'éclatante montagne en face de la maison. Il sortit dans l'après-midi, et refaisant le trajet de la veille, il cherchait sur le sol les traces des sabots du mulet qui avait porté les deux femmes. Puis, quand il fut au col de la guémie, il se coucha sur le ventre au bord de l'abîme et regarda l'Oëch. Le village, dans son puits de rocher, n'était pas encore noyé sous la neige, bien qu'elle vînt tout près de lui, arrêtée net par les forêts de sapins qui protégeaient ses environs. Ces maisons basses ressemblaient, de là-haut, à des pavés dans une prairie. La petite Hauser était là, maintenant, dans une de ces demeures grises, dans laquelle Ulrich Kunzi se trouvait trop loin pour les distinguer séparément, comme il aurait voulu descendre pendant qu'il le pouvait encore. Mais le soleil avait disparu derrière la grande cime du Wildstrubel, et le jeune homme rentra. Le père Harry fumait. En voyant revenir son compagnon, il lui proposa une partie de cartes, et ils s'assirent en face l'un de l'autre des deux côtés de la table. Ils jouèrent longtemps à un simple jeu qu'on nomme la brisque, puis, ayant soupé, ils se couchèrent. Allez, fiston, bonne nuit. Bonne nuit, Gaspard. Les jours qui suivirent furent pareils aux premiers, clairs et froids, sans neige nouvelle. Le vieux Gaspard passait ses après-midi à guetter les aigles et les rares oiseaux qui s'aventurent sur ces sommets glacés, tandis que Ulrich retournait régulièrement au col de la guémie pour contempler le village. Puis il jouait aux cartes, aux dés, aux dominos, gagnait et perdait de petits objets pour intéresser leur partie. Un matin,
Harry, levé le premier, appela son compagnon. Oh, Ulru, viens voir ça. Un nuage mouvant, profond et léger, d'écume blanche s'abattait sur eux, autour d'eux, sans bruit, les ensevelissait peu à peu sous un épais et sourd matelas de mousse. Cela dura 4 jours et 4 nuits. Il fallut dégager la porte et les fenêtres, creuser un couloir et tailler des marches pour s'élever sur cette poudre de glace que 12 heures de gelée avaient rendue plus dure que le granit des moraines. Alors, ils vécurent comme des prisonniers, ne s'aventurant plus guère en dehors de leur demeure. Ils s'étaient partagé les besognes qu'ils accomplissaient régulièrement. Ulrich Kunzi se chargeait des nettoyages, des lavages, de tous les soins et de tous les travaux de propreté. C'était lui aussi qui cassait le bois, tandis que Gaspard Harry faisait la cuisine et entretenait le feu. Leurs ouvrages, réguliers et monotones, étaient interrompus par de longues parties de cartes ou de dés. Jamais ils ne se querellaient, étant tous deux calmes et placides. Jamais même ils n'avaient d'impatience, de mauvaise humeur, ni de paroles aigres, car ils avaient fait provision de résignation pour cet hivernage sur les sommets. Quelquefois, le vieux Gaspard prenait son fusil et s'en allait à la recherche des chamois. Il en tuait de temps en temps. C'était alors fête dans l'auberge de Schwarenbach et grand festin de chair fraîche. Un matin, il partit ainsi. Le thermomètre du dehors marquait 18 au-dessous de glace. Le soleil n'étant pas encore levé, le chasseur espérait surprendre les bêtes aux abords du Wildstrubel. Ulrich, demeuré seul, resta couché jusqu'à 10 heures. Il était d'un naturel dormeur, mais il n'eût point osé s'abandonner ainsi à son penchant en présence du vieux guide toujours ardent et matinal. Il déjeuna lentement avec Sam, qui passait aussi ses jours et ses nuits à dormir devant le feu. Puis il se sentit triste, effrayé même de la solitude, et saisi par le besoin de la partie de cartes quotidienne, comme on l'est par le désir d'une habitude invincible. Alors il sortit pour aller au-devant de son compagnon qui devait rentrer à 4 heures. La neige avait nivelé toute la profonde vallée, comblant les crevasses, effaçant les 2 lacs, capitonnant les rochers, ne faisant plus, entre les sommets immenses, qu'une immense cuve blanche régulière, aveuglante et glacée. Depuis 3 semaines, Ulrich n'était plus revenu au bord de l'abîme d'où il regardait le village. Il voulut y retourner avant de gravir les pentes qui conduisaient à Wildstrubel. Loesch maintenant était aussi sous la neige, et les demeures ne se reconnaissaient plus guère, ensevelies sous ce manteau pâle. Puis, tournant à droite, il gagna le glacier de Lemmern. Il allait de son pas allongé de montagnard en frappant de son bâton ferré la neige aussi dure que la pierre. Et il cherchait avec son œil perçant le petit point noir et mouvant au loin sur cette nappe démesurée. Quand il fut au bord du glacier, il s'arrêta, se demandant si le vieux avait bien pris ce chemin. Puis il se mit à longer les moraines d'un pas plus rapide et plus inquiet. Le jour baissait, les neiges devenaient roses. Un vent sec et gelé courait par souffles brusques sur leur surface de cristal. Ulrich poussa un cri d'appel aigu, vibrant, prolongé. La voix s'envola dans le silence de mort où dormaient les montagnes. Elle courut au loin sur les vagues immobiles et profondes d'écume glaciale, comme un cri d'oiseau sur les vagues de la mer. Puis elle s'éteignit et rien ne lui répondit. Il se remit à marcher. Le soleil s'était enfoncé là-bas derrière les cimes que les reflets du ciel empourpraient encore. Mais les profondeurs de la vallée devenaient grises. Et le jeune homme eut peur tout à coup.
il lui sembla que le silence, le froid, la solitude, la mort hivernale de ces monts entraient en lui, allaient arrêter et geler son sang, raidir ses membres, faire de lui un être immobile et glacé. Et il se mit à courir, s'enfuyant vers sa demeure. Le vieux, pensait-il, était rentré pendant son absence. Il avait pris un autre chemin, il serait assis devant le feu, avec un chamois mort à ses pieds. Bientôt, il aperçut l'auberge. Aucune fumée n'en sortait. Ulrich courut plus vite, ouvrit la porte. Sam s'élança pour le fêter. Mais Gaspard Hari n'était point revenu. Effaré, Kunsi tournait sur lui-même, comme s'il se fût attendu à découvrir son compagnon caché dans un coin. Puis il ralluma le feu et fit la soupe, espérant toujours voir revenir le vieillard. De temps en temps, il sortait pour regarder s'il n'apparaissait pas. La nuit était tombée, la nuit blafarde des montagnes, la nuit pâle, la nuit livide qu'éclairait, au bord de l'horizon, un croissant jaune et fin prêt à tomber derrière les sommets. Puis le jeune homme rentrait, s'asseyait, se chauffait les pieds et les mains en rêvant aux accidents possibles. Gaspard avait pu se casser une jambe, tomber dans un trou, faire un faux pas qui lui avait tordu la cheville. Et il restait étendu dans la neige, saisi, raidi par le froid, l'âme en détresse, perdu, criant peut-être au secours, appelant de toute la force de sa gorge dans le silence de la nuit. Mais où ? La montagne était si vaste, si rude, si périlleuse aux environs, surtout en cette saison, qu'il aurait fallu être 10 ou 20 guides et marcher pendant 8 jours dans tous les sens pour trouver un homme en cette immensité. Ulrich Kunsi, cependant, se résolut à partir avec Sam si Gaspard Hari n'était point revenu entre 00h et 01h du matin. Et il fit ses préparatifs. Il mit 2 jours de vivres dans un sac, prit ses crampons d'acier, roula autour de sa taille une corde longue, mince et forte, vérifia l'état de son bâton ferré et de la hachette qui sert à tailler des degrés dans la glace. Puis il attendit. Le feu brûlait dans la cheminée. Le gros chien ronflait sous la clarté de la flamme. L'horloge battait comme un cœur ses coups réguliers dans sa gaine de bois sonore. Il attendait, l'oreille éveillée au bruit lointain, frissonnant quand le vent léger frôlait le toit et les murs. Minuit sonna. Il tressaillit. Puis, comme il se sentait frémissant et apeuré, il posa de l'eau sur le feu afin de boire du café bien chaud avant de se mettre en route. Quand l'horloge fit tinter 1 heure, il se dressa, réveilla Sam, ouvrit la porte et s'en alla dans la direction du Wildstrubel. Pendant 5 heures, il monta, escaladant des rochers au moyen de ses crampons, taillant la glace, avançant toujours et parfois allant au bout de sa corde, le chien restait en bas d'un escarpement trop rapide. Il était 6 heures environ quand il atteignit un des sommets où le vieux Gaspard venait souvent à la recherche des chamois. Et il attendit que le jour se leva. Le ciel pâlissait sur sa tête. Et soudain une lueur bizarre, née on ne sait d'où, éclaira brusquement l'immense océan des cimes pâles qui s'étendait à 100 lieues autour de lui. On eût dit que cette clarté vague sortait de la neige elle-même pour se répandre dans l'espace. Peu à peu, les sommets lointains les plus hauts devinrent tous d'un rose tendre comme de la chair, et le soleil rouge apparut derrière les lourds géants des Alpes bernoises. Ulrich Kunsi se remit en route. Il allait comme un chasseur, courbé, épiant des traces, disant au chien « Cherche, mon gros, cherche !» Il redescendait la montagne à présent,
fouillant de l'œil les gouffres et parfois appelant, jetant un cri prolongé, mort bien vite dans l'immensité muette. Alors il collait à terre l'oreille pour écouter. Il croyait distinguer une voix, se mettait à courir, appelait de nouveau, n'entendait plus rien et s'asseyait, épuisé, désespéré. Vers midi, il déjeuna et fit manger Sam, aussi las que lui-même. Puis il recommença ses recherches. Quand le soir vint, il marchait encore, ayant parcouru 50 kilomètres de montagne. Comme il se trouvait trop loin de sa maison pour y rentrer et trop fatigué pour se traîner plus longtemps, il creusa un trou dans la neige et s'y blottit avec son chien sous une couverture qu'il avait apportée. Et ils se couchèrent l'un contre l'autre, l'homme et la bête, chauffant leurs corps l'un à l'autre et gelés jusqu'aux moelles cependant. Ulrich ne dormit guère, l'esprit hanté de visions, les membres secoués de frissons. Le jour allait paraître quand il se releva. Ses jambes étaient raides comme des barres de fer, son âme faible à le faire crier d'angoisse, son cœur palpitant à le laisser choir d'émotion dès qu'il croyait entendre un bruit quelconque. Il pensa soudain qu'il allait aussi mourir de froid dans cette solitude, et l'épouvante de cette mort, fouettant son énergie, réveilla sa vigueur. Il descendait maintenant vers l'auberge, tombant, se relevant, suivi de loin par Sam qui boitait sur trois pattes. Ils atteignirent Schwarenbach seulement vers 4 heures de l'après-midi. La maison était vide. Le jeune homme fit du feu, mangea et s'endormit, tellement abruti qu'il ne pensait plus à rien. Il dormit longtemps, très longtemps, d'un sommeil invincible. Mais soudain, une voix, un cri, un nom secoua son engourdissement profond et le fit se dresser. Avait-il rêvé? Était-ce un de ces appels bizarres qui traversent les rêves des âmes inquiètes? Non, il l'entendait encore, ce cri vibrant, entré dans son oreille et resté dans sa chair jusqu'au bout de ses doigts nerveux. Certes, on avait crié, on avait appelé, quelqu'un était là, près de la maison. Il n'en pouvait douter. Il ouvrit donc la porte et hurla. « C'est toi, Gaspard ?» de toute la puissance de sa gorge. Rien ne répondit. Aucun son, aucun murmure, aucun gémissement, rien. Il faisait nuit, la neige était blême. Le vent s'était levé, le vent glacé qui brise les pierres et ne laisse rien de vivant sur ces hauteurs abandonnées. Il passait par souffle brusque plus desséchant et plus mortel que le vent de feu du désert. Ulrich de nouveau cria. « Gaspard ! Gaspard ! Gaspard ! » Puis il attendit. Tout demeura muet sur la montagne. Alors une épouvante le secoua jusqu'aux os. D'un bond, il rentra dans l'auberge, ferma la porte et poussa les verrous. Puis il tomba grelottant sur une chaise, certain qu'il venait d'être appelé par son camarade au moment où il rendait l'esprit. De cela, il était sûr, comme on est sûr de vivre ou de manger du pain. Le vieux Gaspard Hari avait agonisé pendant 2 jours et 3 nuits quelque part, dans un trou, dans un de ces profonds ravins immaculés dont la blancheur est plus sinistre que les ténèbres des souterrains. Il avait agonisé pendant 2 jours et 3 nuits, et il venait de mourir tout à l'heure en pensant à son compagnon. Et son âme, à peine libre, s'était envolée vers l'auberge où dormait Ulrich, et elle l'avait appelé de par la vertu mystérieuse et terrible qu'ont les âmes des morts de hanter les vivants. Elle avait crié, cette âme sans voix, dans l'âme accablée du dormeur.
elle avait crié son adieu dernier, ou son reproche, ou sa malédiction sur l'homme qui n'avait point assez cherché. Et Ulrich la sentait là, tout près, derrière le mur, derrière la porte qu'il venait de refermer. Elle rôdait, comme un oiseau de nuit qui frôle de ses plumes une fenêtre éclairée. Et le jeune homme éperdu était prêt à hurler d'horreur. Il voulait s'enfuir, et n'osait point sortir. Il n'osait point, et n'oserait plus désormais, car le fantôme resterait là, jour et nuit, autour de l'auberge, tant que le corps du vieux guide n'aurait pas été retrouvé et déposé dans la terre bénite d'un cimetière. Le jour vint et Kunsi reprit un peu d'assurance au retour brillant du soleil. Il prépara son repas, fit la soupe de son chien, puis il demeura sur une chaise, immobile, le cœur torturé, pensant au vieux couché sur la neige. Puis, dès que la nuit recouvrit la montagne, des terreurs nouvelles l'assaillirent. Il marchait maintenant dans la cuisine noire, éclairée à peine par la flamme d'une chandelle. Il marchait d'un bout à l'autre de la pièce, à grands pas, écoutant si le cri effrayant de l'autre nuit n'allait pas encore traverser le silence morne du dehors. Et il se sentait seul, le misérable, comme aucun homme n'avait jamais été seul. Il était seul dans cet immense désert de neige, seul à 2000 mètres au-dessus de la terre habitée, au-dessus des maisons humaines, au-dessus de la vie qui s'agite, bruit et palpite, seul dans le ciel glacé. Une envie folle le tenaillait de se sauver n'importe où, n'importe comment, de descendre à l'Oëche en se jetant dans l'abîme. Mais il n'osait seulement pas ouvrir la porte, sûr que l'autre, le mort, lui barrerait la route pour ne pas rester seul non plus là-haut. Vers minuit, las de marcher, accablé d'angoisse et de peur, il s'assoupit enfin sur une chaise, car il redoutait son lit comme on redoute un lieu hanté. Et soudain, le cri strident de l'autre soir lui déchira les oreilles, si suraigu qu'Ulrich étendit les bras pour repousser le revenant, et il tomba sur le dos avec son siège. Sam, réveillé par le bruit, se mit à hurler comme hurlent les chiens effrayés, et il tournait autour du logis cherchant d'où venait le danger. Parvenu près de la porte, il flaira dessous, soufflant et reniflant avec force, le poil hérissé, la queue droite et grognant. Kunsi, éperdu, s'était levé et, tenant par un pied sa chaise, il cria « N'entre pas ! N'entre pas ! Ou je te tue !» Et le chien, excité par cette menace, aboyait avec fureur contre l'invisible ennemi qui défiait la voix de son maître. Sam, peu à peu, se calma et revint s'étendre auprès du foyer. Mais il demeurait inquiet, la tête levée, les yeux brillants et grondant entre ses crocs. Ulrich, à son tour, reprit ses sens. Mais comme il se sentait défaillir de terreur, il alla chercher une bouteille d'eau-de-vie dans le buffet, et il en but, coup sur coup, plusieurs verres. Ses idées devenaient vagues, son courage s'affermissait, une fièvre de feu glissait dans ses veines. Il ne mangea guère le lendemain, se bornant à boire de l'alcool. Et pendant plusieurs jours de suite, il vécut saoul comme une brute. Dès que la pensée de Gaspard Hari lui revenait, il recommençait à boire jusqu'à l'instant où il tombait sur le sol, abattu par l'ivresse. Et il restait là, sur la face, ivre mort, les membres rompus, ronflant, le front par terre. Mais à peine avait-il digéré le liquide affolant et brûlant que le cri, toujours le même, le réveillait comme une balle qui lui aurait percé le crâne.
et il se dressait chancelant encore, étendant les mains pour ne point tomber, appelant Sam à son secours. Et le chien, qui semblait devenir fou comme son maître, se précipitait sur la porte, la grattait de ses griffes, la rongeait de ses longues dents blanches, tandis que le jeune homme, le col renversé, la tête en l'air, avalait à pleine gorgée, comme de l'eau fraîche après une course, l'eau de vie qui tout à l'heure endormirait de nouveau sa pensée et son souvenir et sa terreur éperdue. En 3 semaines, il absorba toute sa provision d'alcool. Mais cette soûlerie continue ne faisait qu'assoupir son épouvante qui se réveilla plus furieuse dès qu'il lui fut impossible de la calmer. L'idée fixe, alors, exaspérée par un mois d'ivresse et grandissant sans cesse dans l'absolue solitude, s'enfonçait en lui à la façon d'une vrille. Il marchait maintenant dans sa demeure ainsi qu'une bête en cage, collant son oreille à la porte pour écouter si l'autre était là, et le défiant à travers le mur. Puis, dès qu'il sommeillait, vaincu par la fatigue, il entendait la voix qui le faisait bondir sur ses pieds. Une nuit enfin, pareil aux lâches poussées à bout, il se précipita sur la porte et l'ouvrit pour voir celui qui l'appelait et pour le forcer à se taire. Il reçut en plein visage un souffle d'air froid qui le glaça jusqu'aux os et il referma le battant et poussa les verrous sans remarquer que Sam s'était élancé dehors. Puis, frémissant, il jeta du bois au feu et s'assit devant pour se chauffer. Mais soudain, il tressaillit. Quelqu'un grattait le mur en pleurant. Il cria éperdu. « Va-t'en !» Une plainte lui répondit, longue et douloureuse. Alors tout ce qui lui restait de raison fut emporté par la terreur. Il répétait « Va-t'en, va-t'en, va-t'en !» en tournant sur lui-même pour trouver un coin où se cacher. L'autre, pleurant toujours, passait le long de la maison en se frottant contre le mur. Ulrich s'avança vers le buffet de chêne plein de vaisselle et de provisions, et le soulevant avec une force surhumaine, il le traîna jusqu'à la porte pour s'appuyer d'une barricade. Puis, entassant les uns sur les autres tout ce qui restait de meubles, les matelas, les paillasses, les chaises, il boucha la fenêtre comme on fait lorsqu'un ennemi vous assiège. Mais celui du dehors poussait maintenant de grands gémissements lugubres auxquels le jeune homme se mit à répondre par des gémissements pareils. Et des jours et des nuits se passèrent sans qu'ils cessassent de hurler l'un et l'autre. L'un tournait sans cesse autour de la maison et fouillait la muraille de ses ongles avec tant de force qu'il semblait vouloir la démolir. L'autre, au-dedans, suivait tous ses mouvements, courbé, l'oreille collée contre la pierre, et il répondait à tous ses appels par d'épouvantables cris. Un soir, Ulrich n'entendit plus rien. Et il s'assit tellement brisé de fatigue qu'il s'endormit aussitôt. Il se réveilla sans un souvenir, sans une pensée, comme si toute sa tête se fût vidée pendant ce sommeil accablé. Il avait faim, il mangea. L'hiver était fini. Le passage de la guémie redevenait praticable et la famille Hauser se mit en route pour rentrer dans son auberge. Dès qu'elles eurent atteint le haut de la montée, les femmes grimpèrent sur leurs mulets et elles parlèrent des deux hommes qu'elles allaient retrouver tout à l'heure. Elles s'étonnaient que l'un d'eux ne fût pas descendu quelques jours plus tôt, dès que la route était devenue possible, pour donner des nouvelles de leur long hivernage. On aperçut enfin l'auberge encore couverte et capitonnée de neige. La porte et la fenêtre étaient closes. Un peu de fumée sortait du toit, ce qui rassura le père Hauser. Mais en approchant,
il aperçut sur le seuil un squelette d'animal dépecé par les aigles, un grand squelette couché sur le flanc. Tous l'examinèrent. « Ce doit être Sam, » dit la mère. Et elle appela « Hé, Gaspard !» Un cri répondit à l'intérieur, un cri aigu qu'on eût dit poussé par une bête. Le père Hauser répéta « Hé, Gaspard !» Un autre cri pareil au premier se fit entendre. Alors, les trois hommes, le père et les deux fils, essayèrent d'ouvrir la porte. Elle résista. Ils prirent dans l'étable vide une longue poutre comme bélier et la lancèrent à toute volée. Le bois cria, céda, les planches volèrent en morceaux. Puis un grand bruit ébranla la maison et ils aperçurent dedans, derrière le buffet écroulé, un homme debout, avec des cheveux qui lui tombaient aux épaules, une barbe qui lui tombait sur la poitrine, des yeux brillants et des lambeaux d'étoffe sur le corps. Ils ne le reconnaissaient point, mais Louise Hauser s'écria « C'est Ulrich, maman !» Et la mère constata que c'était Ulrich, bien que ses cheveux fussent blancs. Il les laissa venir, il se laissa toucher, mais il ne répondit point aux questions qu'on lui posa. Et il fallut le conduire à Loesch, où les médecins constatèrent qu'il était fou. Et personne ne sut jamais ce qu'était devenu son compagnon. La petite Hauser faillit mourir cet été-là, d'une maladie de langueur qu'on attribua au froid de la montagne. Gaspard!